Bonjour YouTube, bonjour, découverte, enfin redécouverte de BPM Bullet by par minute que j'ai découvert hier. On n'a pas joué longtemps, on a joué 30 minutes, genre en mode découverte quoi. Voilà, du coup, j'ai pas été très loin, j'étais jusqu'au boss du premier niveau, mais voilà, c'est juste une petite découverte. Là, on va essayer de se faire une vraie découverte, d'aller un peu plus loin, de jouer plus longtemps, et puis voilà. Le principe du jeu, c'est tout simplement un roguelike en vue à la première personne, où il faut jouer en rythme. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement, non. Tout simplement, oui, mais c'est pas simple. Donc, continuer. On va faire nouvelle partie. Bon, on va jouer en facile, parce que, bon, même en facile, je m'étais fait poutrer le fion hier. Et du coup, voilà, c'est pas très agréable de se faire poutrer le fion en boucle. En fait, c'est le problème... Attendez, hein. Le problème, c'était le boss de fin. À chaque fois, j'arrivais pas à esquiver ses patterns, et je comprenais pas ses patterns. Du coup, bon, on va quand même essayer de le tuer, hein. Sinon, voilà, c'est une catastrophe, hein. Voilà, et donc, c'est des donjons générés aléatoirement, comme tout roguelike qui se respecte. Par contre, je me rends compte que je cache les munitions. Du coup, je vais peut-être me mettre là. Ok. Je suis bien là. Attendez. Alors. Non. Là, voilà. Là, on est bien, là. Là, on est yimbe. Là, on est yimbe. Salut, Azareth. Comment vas-tu? Donc, attends, mais pourquoi il avance pas? Parce que je suis en QWERTY. Ah oui, ok. Ok, donc voilà, on commence hein, dans un donjon aléatoire, hein, au pif. Hein, et on, là, voilà. Vous voyez, en haut à gauche, il y a la map. Et voilà, on choisit d'aller là où on veut. Sois fier de moi, hier, je suis resté sur mon compte après le ban. J'ai bu une tisane. Bah c'est bien. Donc vous voyez, il faut tirer en rythme. Il faut même recharger en rythme. Bon, je me suis fait défoncer. Bon, j'ai pas compris, je rechargeais bien en rythme, mais ça marchait pas des fois. Alors j'ai l'impression que pour recharger... Ah, c'est quoi ça? Tiens, hop. Voilà, ah merde, c'était un heal. Ok, bah je me suis healé. On voit ma vie en bas à gauche, hein, j'étais à 100 sur 100. Je suis descendu à 88, mais grâce à la potion de sous, hein, bien évidemment. Et bien je suis revenu à 100 points de vie. On voit en bas à gauche aussi des pièces et des clés. Et on a aussi la possibilité de dasher, voilà, j'ai oublié de le mentionner. On peut dasher comme ça. Par contre, dasher, on a... Ah oui, d'accord. Ah, même pour dasher, il faut le faire en rythme. Ah ouais, c'est quand même complexe. Salut, Docteur Champy. Comment vas-tu? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Au secours. Ah, mais là, il y a un problème, là. Attends, il y avait qu'un ennemi? Et je suis tombé. Ça ma vie. Une clef. J'ai deux clefs. Vous voyez en bas à gauche. C'est quoi ça? Pourquoi des fois il y a des trucs comme ça au sol? Voilà, et comme tout roguelike qui se respecte, il y a des récompensés aléatoires. Il y a des armes aléatoires, que de l'aléatoire, beaucoup d'aléatoire. Et du skill, bien sûr. Mais par contre, j'ai l'impression que... Il tire pas bien au milieu... Il est pas mort, lui ? Mais voilà, mais ça me fait peur ce truc à chaque fois. J'ai l'impression que c'est un...
Ah, c'est quoi ça? Sac de pièces. Pièces. F. Attendez. Attendez, je vais aller looter. Bonsoir, salut de Radiolette. Bah, DCR anti-moustique. Quoi? Achète une bougie au citron. J'ai eu quoi là? Je sais pas ce que j'ai eu. Bon, j'ai pris un truc, je sais pas quoi. Alors, je sais pas ce que c'est que ce truc là. Sac de pièces F. J'ai deux clés, quatre pièces. Ah putain, mais c'est un sacrifice de ces grands morts! Ok. Ah bah putain, d'accord, ok. Bon bah je le saurais. Sacrifice pour avoir des pièces. Et j'ai eu. J'ai combien de pièces? Attends, mais... Attends, il y a un truc que je comprends pas. Le rechargement, c'est en deux coups, hein. Je tire en rythme, hein. Bizarre, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une clef, encore une clef. Putain, mais j'ai pris une tarte, hein. Oulala. Ah, il y a trois coffres. Mais c'est trop bien, ça. Partenaire de Gungnir, augmentation de la portée. Ah mais c'est excellent. C'est vrai que j'avais une portée de merde. Enfoiré. Je savais qu'il y avait un... Ah, okay. Ah mais attends, mais est-ce qu'il y a une notion de HS, de headshot? C'est quoi ça, librairie? Le son, on l'entend tout doucement. Attendez. Je vais régler les paramètres du son dans le... Voilà. Comme ça, je vais pouvoir mettre un peu plus fort. Bien. Reprendre. Bon, librairie, c'est quoi ça? J'ai pas de clé. Ma vie, c'est vraiment de la merde. J'ai gaspillé mes trois clés pour trois coffres, dont deux qui étaient piégés. Alors, c'est quoi ça? Y suis-je déjà allé? Ah non, mais ça, c'est la... Oui, c'est la salle au trésor, ça, évidemment. Comme tout roguelike qui se respecte, il y a une salle au trésor, avec un objet au pif, bien sûr. J'ai pas de clé. Mais putain, mais j'ai vraiment un connard. D'accord, en fait, il faut des clés pour tout. J'avais oublié les détails. Et on a une salle de challenge ici. Je l'ai faite ou pas? Bonjour. What the fuck? Oh, ma manette qui a vibré, elle m'a fait trop peur. Tu es par une araignée de merde. Non, mais en même temps, tous les trucs, ils pop autour de nous. Et pourquoi ça a vibré, ça? Mais casse-toi. La manette de merde. Redémarrer. Bon, bah voilà, je suis mort. Seuls les chanceux devraient prendre des risques. Bon, alors on joue en facile, mais en vrai le jeu est dur. Hein. Y a pas de mode normal. Hein. Y a soit facile, soit difficile. Mais bon, voilà. Attends, y a un truc de craft là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est celui que j'avais essayé de buter hier. Il veut 5 pièces. On dirait qu'il fait du hangbang. Headbanger. Ouais, mais j'ai pas de pièces, moi. Tout ça pour avoir un gros flingue. T'as trouvé le ressort de ton clavier? Ouais, je l'ai retrouvé. J'ai réparé mon... Ah, mais j'ai un double jump! What? J'avais oublié, ça. Ouais, donc, on a munitions infinies. Et donc voilà, c'est bien en deux coups le rechargement, ok. Est-ce qu'il y a moyen de sauter sur les meubles et tout, de faire les trucs, une dinguerie, je sais pas, de découvrir un passage secret? Non. Pas du tout. Ok.
Alors, le problème, c'est que... Parfait. C'est quoi, ça? Des pièces? J'ai 4 pièces. Non, mais ça, c'est encore une... C'est encore un plan cul, ça. Je reconnais, hein. Le problème, c'est qu'on n'a pas une portée illimitée. Mais putain, mais quoi, il veut pas tirer ? C'est quoi ça? Un heal. Ça heal de combien? J'ai pas de clé. C'est quoi ça? Pourquoi y a un passage secret derrière? Oh putain, c'est la curse room de Isaac! Et j'ai pas de clé! La vie, c'est vraiment de la merde. Évidemment. Bon, vas-y, on va prendre le soin, là. Alors, comment ça nous heal? Ah, ça nous heal que d'une barre. Nul. Attends, mais y a des pièces, là. Je reconnais, hein. Mais non, mais je me fais boulancer par un gars qui était caché derrière les escaliers, là, au secours! Vas-y, dis-moi. Putain, j'ai perdu mes réflexes de... Magasin de Megan. Mais putain, mais on dirait un chocobo. 25 PV. Pour 2 pièces. Vas-y, je prends. Hein. 50 PV pour 4 pièces. Carte de fidélité de Ingwin, 6. J'ai acquis de la fidélité. Il faut que j'arrête. Je crois au bout d'un moment, il va se rebeller à la Spelunky. Il me faut des clés, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Convertisseur de bouclier. Converti instantanément. Les boucliers en santé. Les boucliers en santé. En fait, c'est comme des boucliers enchantés, mais avec quelqu'un qui zozote. Les boucliers en santé. Je sais pas si c'est bien cette merde. J'aime bien les boucliers, moi. Challenge. Salle de challenge. Alors, j'ai compris, salle de challenge. J'appuie et je me casse. Voilà. Mais putain! Oh mais non, j'ai fait un gauche-droite alors qu'il fallait pas faire un gauche-droite. Tu peux mourir! Ah, mais il reste un? Ok. Ça pour une clef. J'en fais une clef. Vitesse augmentée. C'est quoi ça? Je dois donner quoi? Tu veux de l'argent? Une pièce. Augmenter ma vitesse. Ma vitesse a été augmentée apparemment.
Bon, j'ai une clé, hein, je vais aller prendre l'item room, hein, parce que bon, voilà quoi. Ah non, mais il y avait l'autre là, attends. Putain, j'avais besoin d'une clé pour deux trucs. Non, lui c'était. Attends, putain. Vas-y, pour 4 pièces, heal-moi. Ah, vas-y. J'ai augmenté ma fidélité. Ah oui, après, il va me proposer plusieurs trucs. C'est comme la machine de donation de Isaac. Plus tu donnes d'argent, et plus au fil du jeu, t'as les options de récompense. Tes armes font vraiment de la musique. Tes armes font vraiment de la musique. Item room, pile à curse. Bah oui, en fait, vu que je suis obligé de tirer dans le rythme de la musique... non mais vas-y, hein, juste item room. Hein. Le reste... De toute façon, j'ai qu'une clef. Alors, item room. Qu'est-ce que c'est que ça? Les tirs transpercent les murs et les ennemis. Ouais, si tu veux. J'ai pas trouvé de boss en vrai. Attends, mais comment on fait pour voir la map? Ah! Ah oui, on a des dégâts. C'est quoi le truc à droite? Pré. Ils ont pété un boulon? Pré. Non, mais ils se défoulent pas staga là quand ils ont fait ça. Portée, vitesse, chance. Bon, en vitesse, on a vu qu'on a vu un petit truc. Ah mais non, c'était le forgeron que je voulais aller là. Voilà. Ah non, il veut 5 pièces. Vas-y, moi je te prends ça. Hein. D'accord. Il recharge. Enfin, il pompe. Il y pompe. Mais ça doit faire mal à mon avis. Vas-y, let's go. Attendez, parce que là, il faut que je prenne mon arme. Casse-toi. Merde. Mais recharge! Mais putain, je suis bloqué par ces marches qui font 3 cm de haut là! Capacité augmentée. Capacité de quoi? Qu'est-ce qui a été augmenté? Capacité. On a le boss là-bas, mais on a une autre salle ici. Oh, deuxième clé. Trop bien. Et c'était quoi, du heal? J'ai pas vu ça. Des sous-sous dans la poche. Non mais j'ai pas envie d'aller dans la curse parce que... Ça va me baiser. Je me souviens plus des icônes. C'était quoi ça déjà? Ah bah voilà, il y avait un truc là. Mais faut une pièce. Vas-y, je mets une pièce. Hein? Ah d'accord, on met des pièces et ça fait des trucs. Aléatoirement. Oh, trop bien. C'est parfait ça. Cool. Ah bah je l'ai bloqué. Ok. Ah mais c'est comme la machine de divination de Isaac. En fait, vous prenez toutes les mécaniques de Isaac, vous les mettez sur Doom, et ça fait ça. Et là aussi on peut augmenter. Chance augmentée, avec une pièce. Vas-y, chance augmentée, vas-y. Let's go. En fait, il y a plein de trucs contre les murs, on fait pas gaffe des fois. Vu que je connais pas le jeu, c'est quoi ça? D'accord, il faut 3 coups pour recharger.
Ok, go boss. Ah mais ça c'est full baiserie ça, c'est bon, je vais garder ma clé. Où est le boss? Le boss est là-bas. Vas-y, go boss. La dernière fois je m'étais fait poutrer le fion là, par le boss. En même temps, il est grave chaud hein. Je comprends pas ces patterns là. Ok, go boss. Et j'ai pas le temps de lire. Ah oui, sauter pour éviter les attaques au sol. D'accord, ok, j'avais pas vu, conseil. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord, ok. Mais regardez-moi ça! Mais what the fuck! Mais comment veux-tu? Non mais difficulté facile, non mais s'il vous plaît quoi, c'est pas facile! Au secours. Librairie. Librairie. J'ai pas de clef. Au secours quoi, au secours. Ouais. 4 pièces, 5 pièces. Ok. Y'a pas des statuettes dans les murs? Pas du tout. Ah si, y'a ça. Capacité. C'est quoi capacité? Est-ce que c'est genre le mon dash? Quoi? Saloperie. Saloperie de d'araignée. Mais qu'est-ce qui me quoi? On me prend par derrière là-haut. Attends, mais j'ai tiré là-dessus ça. Il faut une clé. Une clé pour avoir quoi? Ok, une pièce. Alors c'est très, franchement c'est très très ah mais je suis à 4 fois. C'est très bizarre le fait de devoir, une salle de dés, le fait de devoir tirer en fait pendant le rythme de la musique. C'est très vous voyez quoi. Attends mais c'est quoi cette salle de dés là? Est-ce que c'est un plan cul comme les salles de dés de Isaac là? Alors, on va tester hein. Je veux bien ouais. Ah. C'est tout? J'ai mis une pièce, ça m'a donné une clé. D'accord. À mon avis c'est du pif. Bah la clé j'en avais besoin pour la librairie. Go librairie. On se croirait dans We Were Here Together. C'est quoi ça? Téléportation. Téléportation au point. Quoi? Utilisez votre attaque secondaire lorsqu'elle est chargée. C'est complètement pété! Mais! C'est complètement pété! Je crois que j'ai eu le meilleur truc du jeu là. Ok, un petit heal.
Ah non, putain, pense à s'il vous plaît, au secours. Putain, mais non, je courais! Mais recharge! Il a pas rechargé parce que j'ai dashé. Saloperie de moustique! 4 coups pour tuer un moustique, quoi! Alors que j'ai un flingue, hein. Vous voyez, hein. Mais. Oh putain! Attends, je comprends pas parce que. Attends. Il y a des trucs que je comprends pas. Des fois, je suis en train de recharger et j'ai pas fini de recharger, ça se recharge tout seul. Comme si en dashant ou en me faisant toucher, ça rechargeait en mode « Allez, vas-y, c'est bon, tu t'es fait toucher, vas-y. » J'ai eu quoi ? De la vie et de la pièce ? Attends, mais je peux refaire ? Qu'est-ce que c'est que ça? Allô? Non mais le jeu il est trop dur! Mais il est trop dur le jeu! Je crois que je vais arrêter de parler, je vais jouer, je vais me concentrer. Banque. Quoi ça? Une pièce lui? Ça? Bonjour. Ah, c'est pour mettre son argent de côté. Les boss sont trop durs. Oh, il est... oh trop bien cette arme. Il me faut 5 pièces. Ok, j'ai compris. Pourquoi des fois il y a l'écran rouge, putain? Oh, ça me trigger ça! Des fois il y a l'écran rouge comme si j'avais pris une balle. Mais en fait, non. J'ai pas de clef. C'est quoi ça? Vitesse augmentée pour un balle. Non, mais c'est bon, vitesse augmentée. Qu'est-ce que tu veux? Bon, mon item room. Alors. Ah, mais j'ai pas de clef. Ma vie, c'est de la merde. Faut des clefs. À la télé, ils viennent de dire que Top Gun Maverick n'avait plus qu'au plus de 40 ans. Ah, avait plus à ceux qui ont plus de 40 ans. Bah, je sais pas, peut-être. Bah, en même temps, Top Gun Maverick, c'est les nostalgiques du premier Top Gun. Et donc forcément, le premier Top Gun, il est sorti genre dans les années 80, quoi. Donc forcément, c'est les... c'est... Non mais en fait l'écran des fois il devient bleu, des fois il devient rouge, je pense que c'est avec ma jauge de combo. Hein? Mais putain j'ai cru que j'avais fini la salle! Ma vie c'est de la merde. Attends il me fallait une pièce, c'était pour quoi déjà? C'est quoi ça? Magasin, oh le magasin! Augmente les PV max, 4 pièces. Ouais non mais en fait... Oh. Gant de tir puissant. Ah mais j'ai pas de sous en fait, c'est ça le problème là, vous vous rendez pas compte. Ah mais moi je veux le forgeron là. C'était quoi C'est de l'argent qu'il voulait je crois. Hein. Ah il voulait 5 pièces. Putain fait chier.
Quoi ? Mais c'est une blague ! J'étais derrière le mur ! Mais j'étais... Ça traverse le mur, ça, les trucs ultrasoniques, là. Supersoniques. Une clé. Ah ! Les ennemis meurent progressivement. C'est quoi ? C'est le masse poison de Isaac. Je peux pas aller là. Non, faut passer par là. Chance augmentée lorsque l'étage est terminé. L'étage ou la salle ? Parce que bon... Ah oui, mais ça me donne une armure, genre. Là, j'ai eu les bottes. Là, j'ai le casque. Bon, au secours, moi, je vais devoir aller au magasin. C'est quoi déjà la balance, là ? Mettre de l'argent de côté, c'est ça à quoi, ça ? Zéro pièce. Ils sont trop mignons, ils me font trop délirer. Et où le magasin ? C'est pas le magasin, ça ? Ça ressemble à quoi, le magasin ? Tout ça pour mourir en deux frames contre le boss de fin, je le précise. Hein. $25. Ah mais c'est deux pièces ! Ah mais il fout la mort, mais non, mais je croyais que c'était une pièce. Ma vie, c'est de la merde. Bah super. Y'a pas moyen de se TP. Bon, on va essayer de retuer le boss avec 38 PV, loul, on va mourir instant, mais bon, c'est pas grave. Là, par contre, y'a une salle de challenge, là. Je l'ai pas faite. Si, je l'ai faite, non, je l'ai pas faite, mais je vais mourir. C'est pas grave. Quoi bien ? Mais je les ai pas tous tués là ! Hein ? Mais... Ah mais c'est parce que les trucs ils meurent progressivement ! Attends, j'ai 5 pièces, je vais pouvoir m'acheter l'arme. 5 pièces pour l'arme. Que penses-tu de la congolexicomatisation des lois du marché du Congo ? Mort de rire cette vidéo. Bon, on va se heal, hein. En vrai, vaut mieux que je me heal plutôt que je prenne l'arme, hein. Ou alors je prends l'arme et on voit ce que ça fait. Tu devrais mettre des pièces de côté. Eh, mais tu crois que je fais quoi, Rat Violette ? Tu crois que je me les fous dans le fion, les pièces ? J'essaie de les mettre de côté, mes pièces. La nucléarité des rollers. Je trouve qu'il y en a pas assez. Bon, vas-y, je prends quoi là ? Je prends l'arme pour tester l'arme. Parce que bon, l'arme. Non, mais vas-y, je vais prendre la vie. Hein. Je prends la vie, hein. Nique la vie. Y a pas une petite statuette là ? Toi, tu veux quoi ? Toi, vitesse augmentée. Eh, vas-y, hop, allez, hop. Vitesse augmentée. On va mourir contre le boss frame 2. Je peux pas Ah ouais, d'accord, ça traverse le coffre. Bon bah go, hein. Bon bah rip in peace. Non mais comment voulez-vous que je le tue, en fait? C'est ça la question. Alors j'analyse le... J'ai... Quoi ? Ah, attendez, parce que bon, attendez. Là, je vais casser tout, là, je comprends pas. Je comprends pas ces patterns. Le flash, c'est un pattern, c'est un flash comme quoi ça prévient qu'il va tirer ici, ou si c'est un flash de dégâts.
Je vais remater. Non mais merde. Je peux pas remater ma vidéo. Retour au menu principal. Il y a quoi faire au menu principal? Défi. Bloqué. Non mais tout est bloqué. Non mais c'est au secours. Non mais au secours. J'arrive pas à passer. Non mais je suis à moins 12 de streaking. Je lis ton com, il n'y en a pas assez. Non mais moi aussi j'ai lu ça. Non à la banque. Ah! À la banque. Non mais moi j'ai en fait j'ai envie de tuer déjà le premier boss. C'est mon... Oula, oh putain, pas mal les effets de... Les effets de brûlure là. Bah, il est où le dernier? Vous êtes combien? Parfait, parfait, il m'a dit. T'as vu? Le jeu me félicite! Le jeu dit que je suis parfait! Oh, c'est quoi ça? 3 pièces. C'est trop bien. Où est le dernier? Bien. Quoi bien? J'ai tout fait bien. Recharger. F. Capacité augmentée. Ils veulent dire quoi par capacité? Allô? Hein? Mais je peux courir? Ah mais je peux courir! Nouvelle règle. Et là évidemment j'ai toujours pas de clé. Oui c'est très drôle, c'est pas faux. On dirait tu te fous de sa gueule comment t'as écrit ça. J'ai fait un clip du boss. Ah merci, merci Radiolette. Heureusement qu'il y a des gens qui... Ouais, heureusement qu'il y a des gens qui réfléchissent. Comme Radiolette. Dégâts augmentés. Ah bah vas-y. Let's go. Mais elle a changé de rythme la musique ou quoi là? Putain, je me suis pris un coup. Au secours. Il y a du heal. Pas mal. Ça pue un peu la merde, mais c'est ok, tiens. Oh, le magazine. Le magazine! Bouclier. Inflige un pourcentage de dégâts. Ouais. 7 pièces. Attends, mais ça a l'air fumé. Vas-y, je vais prendre ça. En plus, j'augmente mon... Attends, la forge. Ah, trop tard. Moi, je teste tout, moi. Qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais recharge ta merde! Mais recharge ta merde! Tu es par une mouche! Je te mets au secours!
Putain, il est là, elle est là avec son chargeur là. Putain, mais mets-la dans le trou quoi. Ok. Je peux pas m'énerver. Tiens, il y a le boss direct là. Non mais vous savez quoi, j'ai envie d'affronter... Ah, je peux pas casser ça. J'ai envie d'affronter le boss direct. Boss direct, allez hop. Bonjour. J'ai envie de voir ses patterns. Mais c'est quoi, c'est... Je commence à comprendre ses patterns. En fait, quand il met ses bras à gauche, ça veut dire qu'il va tirer sur la moitié gauche de tout l'écran. Quand il met ses bras à droite, pareil. Sinon, les autres trucs, j'ai pas compris, je me fais enculer. Jeanne, au secours ! Bon, y a la forge. Oh non, mais c'est le même truc que j'avais, c'est le fusil à pompe de merde. Non mais le fusil à pompe de merde, il m'a saoulé là, parce que il tire une fois sur deux et c'est un peu chiant. Bon là c'est le truc de merde. C'est la salle au trésor à gauche, mais j'ai pas de clé donc ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il fait lui là? Il va se cacher dans un coin là. Ok. Du heal. Je vais garder mon heal. Je vais aller en salle de challenge. Non mais les mouches c'est les pires. C'est les pires hein. C'est pas les gros les pires hein. C'est les mouches hein. Je vous assure. Je vais mourir. Les recharges! Oh putain, oh, je vais péter un câble. Ce jeu, je vais péter un câble avec ce jeu. Quelle horreur! Mais quelle horreur ces mouches! Après, j'ai remarqué un truc. C'est que même les mouches, en fait, tous les ennemis tirent en rythme aussi. N'oublie pas The Fool. Ah, Zorette, t'inquiète pas, j'ai pas oublié The Fool. Attends, mais c'est ça ma récompense? Un dos dans le cul. Super. Bon, je vais me heal. Non mais le truc de... Non mais c'est... Mais qu'est-ce que tu veux? Non mais vas-y, c'est bon, ils m'ont saoulé le banquier, là j'aime pas les banquiers. Là. J'ai toujours pas de... Ouais, allez vas-y, je vais aller à la forge, là, vas-y, go forge, je vais prendre le fusil à pompe. Armure de Moonin améliorée. C'est quoi ça, armure de Moonin améliorée? Je peux pas reprendre mon arme? Ah si, je peux reprendre mon arme. Elle fait du tapping. Elle fait du tapping quand elle prend son arme. Comme une guitare. Ok, let's go.
mais je tire en rythme. Oh putain, j'ai pris un coup parce que j'ai fait un gauche-droite. Ah mais ça c'est bon, c'est une salle de sacrifice. Non mais je suis pas habitué à cette arme en fait. Je suis pas habitué à cette arme, mais il... Elle tire un coup sur deux parce que un coup tu tires, un coup tu pompes. Et quand tu recharges, eh ben en fait il faut recharger trois fois. Il faut cliquer trois fois sur le bouton de rechargement, c'est pas comme deux avec le flingue. C'est hyper perturbant. C'est pour ça que j'hésitais à la prendre cette arme, ça me trigger. Putain, mais il faut de la vie, hein. Tu veux la vie s'il te plaît? J'ai une clef. C'est quoi ça? Dégâts augmentés. Il faut que j'aille au magasin. Il est où le magasin? Il n'y a pas le magasin. Il y a le banquier, il y a le forgeron. C'est quoi? Capacité augmentée. Ça veut dire quoi capacité? Est-ce que quelqu'un sur le chat là peut aller sur l'internet? Et me dire, c'est quoi la capacité? Il devrait faire un, je sais pas, un petit tutoriel, non? En même temps, Isaac, c'est pareil, hein, t'as pas de tuto, hein, c'est on te met dans le jeu et tu te démerdes. C'est vrai que je peux ouvrir ça, mais j'ai pas de clé aussi. La vie, enfin du heal. Le bégaze. Dégâts doublés. Je me heal. Hein. Cool. Carte de fidélité de Oglung. Portée augmentée. Alors ça c'est bien ça. Allez, augmente la portée. J'ai une pièce, une clef. Il y avait un coffre ici. Là. C'est quoi ça? Une balle? Dégâts augmentés. C'est trop bien ça. Ok, let's go. Ok. Bon. Je crois que j'esquive à faire. Il faut pas. J'hésite à faire des gauche-droite comme ça pour esquiver ces attaques. Mais non, mais le jeu est très dur. Hein. Le jeu est très dur. Hein. Le jeu est extrêmement dur. En plus, il me trigger à chaque fois à faire des zooms comme ça. Le jeu est trop dur. C'est incroyable. JPP. Bravo. Il est trop dur. Isaac, t'arrives à tuer le premier boss du jeu quand même. Là, ils te mettent un boss de fin de jeu, quoi. C'est quoi, ça? Ah. Oh, trop stylé. Ah, putain, mais il faut que je recharge chaque balle. What the fuck? Alors, certes, l'arme a l'air complètement pétée, mais... mais loul.
Mais... Une clef. Chaud, hein. Y a pas de dégâts doublés. Augmente les effets de soins. Non mais j'ai que 4 pièces. Bouclier. Bon jeu ça. Ah bon? Ça va Toto Bono? Bonjour. Bon jeu mais j'arrive pas à tuer le boss, le premier boss. C'est quoi ça? C'est mon spawn? Ok. Bibliothèque. Allez, go bibliothèque. Oh, un livre. Banque à distance. Retirez les pièces de la banque. Utilisez votre attaque ultime lorsqu'elle est chargée. Retirez des pièces de la banque de quoi? C'est eux. Si tu as Gaul, t'as une capacité de boule de feu. Si tu as Gaul. Gaul? Si j'ai Gaul? Hein? J'ai démonté? De tir puissant, les tirs transperçants transpercent les murs. Ok. Le personnage s'appelle Gaul. Ah, t'as une capacité de boule de feu. J'ai une capacité de boule de feu. Comment ça? Ouais, un boule de feu. Avec capacité augmentée. Mais j'utilise comment ma capacité? Capacité ultime, capacité secondaire. Mais il n'y avait pas de boule de feu. Moi, ma capacité secondaire, c'est ma capacité. Ma capacité, c'était de me téléporter tout à l'heure. Et là, ma capacité, c'est que j'en ai pas. Là, j'ai juste une capacité ultime. Sous-sous dans la poche. J'ai 11 balles, je pourrais acheter un truc de dingue. Vas-y, je vais faire la salle de challenge. Mais putain! Au secours. Les mouches. Les mouches, c'est ce qu'il y a de pire. Mais genre, elles sont 1000. Elles sont 1000. Il y avait 1000 mouches autour de moi. Mouches rapides, c'est les pires mobs du jeu. T'as un objet de main avec les numes que tu peux utiliser. Ma capacité ultime, je sais plus. C'était. En tout cas, je suis mort. Après, essaye de... Enfin, pas trop de spoil quand même, hein. Moi, je, ma base, à la question, à la base, ma question, c'était, ça voulait dire quoi de prendre le buff capacité augmentée qu'on peut avoir contre les murs. C'est ma question, hein.
Ok, de l'argent, de la thune, de la thunasse. Vitesse augmentée. Non mais la vitesse, je m'en branle. Non mais moi, il me faut un truc pour one-shot les boss, en fait. Elle forgeront. Oh! Quoi? 15 pièces! Attends, mais il a trouvé des trucs de ouf, lui. Tu voulais qu'on te dise sa capacité? Ça augmentait ta capacité. Oui, mais ça veut dire quoi, augmenter? Augmenter, ça veut dire quoi? Augmenter. Augmenter quoi? C'est quoi? Il faut être clair. D'où ils sortent eux? Mais putain, mais dites-vous grand-mère, mais d'où vous sortez vous? Pas mal, pas mal, je me suis fait toucher comme une merde. Attends, je vais pouvoir acheter le... L'arme de ouf, non? Putain, non, c'était 15. Beaucoup 15. Beaucoup 15. Attends, j'ai 11 là. Attends, il y a peut-être moyen. Il y a moyen de moyenner. Attends, la banque là. Mais c'est quoi ce truc de banque de merde? Ah oui, si. Ma capacité tout à l'heure de... Attends, vas-y. F. Hein? Ouais, et... Ça m'a... Je peux mettre de l'argent à la banque. Et c'est pourquoi pour les futurs runs. Il y a un truc qui brille là. Il y a un truc qui brille là, je reconnais. Bon, j'ai que 11 balles. Les mouches à la merde, les mouches à la merde. Regardez-moi ce nombre de mouches. Au secours! Mais... Et... Quatre coups pour le tuer! Attends, y'a un truc que j'ai pas compris, hein. C'est pas possible que ces mouches soient plus dures à tuer que les gros mobs qu'on voit au sol, hein. Il est complètement unbalanced, le jeu, là. Ah bah super, ah bah tout ça pour récupérer des soins, quoi. Va bien te faire niquer. Attends, y'a peut-être moyen de tuer le boss, là. Ah mais c'est pas un boss, d'accord. Si, c'est un boss. Ah bah ma vie, c'est pas de la merde.
Nick. Nom de Zeus. Pose le tube. Pose le tube. Se jette par la fenêtre. Non mais il est trop dur le jeu, mais c'est des fous furieux ceux qui ont fait le jeu là. Mais pour de vrai hein. Regardez. Regardez les chauves-souris. Même eux. En 4 coups je les tue. Et les chauves-souris en un coup. Pourquoi les mouches de merde qui peuple la salle à raison de 1 million par salle. Pourquoi c'est des mobs de fous furieux. Ça devrait être des trucs lambda. Complètement con. Bon là y a un très beau coffre là. Oh. Sympa cette arme là, ça me plaît bien ça, moi j'aime bien ça. Elle fait mal hein. Intéressant ça. Envolez-vous, envolez-toi, envolez-toi. Envole-toi, c'est le cœur qui collabe un peu. Comment je m'envole? Marche spatiale. Allô ? Ça va ? Vous allez bien ? Bonjour ! Bonsoir ! Ça va, Célestine ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai les sous infinis ! Oh, je peux strafer ! Je peux strafer comme dans... Ah, je peux faire du bunny hop, du bunny hopping. Comme dans Counter-Strike. Attends, mais il y avait pas un truc en hauteur là? Ah non, mais c'était... Putain, c'était dans la partie d'avant. Bonjour. Je peux sortir de là, non? Qu'est-ce que tu racontes, Célestine? C'est... Non, pas lui. Ok. Alors, je me suis pas du tout excité pour, hein, pour rien, ne vous inquiétez pas. Précision augmentée. Oh, c'est bien ça. Ah mais c'est ça, pré-pré-pré. Ah, alors, pré-pré-pré. Il faut savoir qu'en fait ça veut dire précision. Voilà. Et c'est un délire des développeurs. On va dire pré-pré-pré. C'est sur VPM ou c'est un simulateur de vol? Je me suis fait mal à l'épaule en portant le sac de terre. Ah mais faut faire attention, Célestine. Qu'est-ce que tu... Au secours. Mais tire, espèce de... Ok. Faut une clef. Pas de clef. Là, il y a une bibliothèque, il faut une clef aussi.
Non mais les clés c'est vraiment terrible hein. Y'a pas de clés hein. C'est quoi ça? Capacité augmentée. Ouais mais voilà, voilà. Vous voyez? Capacité augmentée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire R. Bah oui, en plus on a Azret qui voulait un simulateur de vol. Bah voilà. Voilà, on a un simulateur de vol. Regardez. Azret, tu nous fais chier là. Enfin, il nous fait pas chier, hein, je t'aime Azret. Je dirais plutôt un simulateur. Dis pas trop de trucs comme ça, Docteur Champy. C'est pas très apprécié sur Twitch. Bon, ça demande une clé. J'ai pas de clé. Il faut des clés. Non, je veux des clés. Ah ben voilà. Le magasin de Huguin. Oh, le fer à cheval. Chance augmentée. J'en ai rien à foutre. Bouclier. Vas-y, je prends le bouclier. Nick. Et la chance, la chance, la chance, je sais pas pourquoi la chance. Allez. Je sens bien. Je vais aller combattre le boss. Et je vais me faire péter le fion. Voilà. Vous êtes content? Ah oui, là, je peux me sacrifier pour avoir... Pour avoir quoi? Ah, augmente les PV max. Ah. Ça me fait mal de combien? Du coup, ça sert à rien. Je viens de me niquer mon bouclier. Ah non, mon bouclier a tanké, je crois, 50... Ah ouais, en fait, ça m'augmente de 25 mes PV max, mais ça me fait mal de 50. Et donc mon bouclier a tanké. Sauf que, bien sûr, je vais aller chercher le dans le magasin là la potion de soin à 2 balles. Tout ça pour mourir en 2 frames contre le boss. Hein. Alors, c'est extraordinaire. Hein. Alors ça va être la pire. Je crois que ah non mais y a pas de potion à 2 balles. Y'a que des potions de FDP à 4 balles! C'est de la merde. Bon, moi j'y vais. À la bourrin, je fais jamais attention, je suis toujours pleine de bleu. Ah putain, mais attention, Célestine! Un jour, tu vas te casser le cou! Tu vas te casser la nuque! Tu vas te briser la nuque! Comme on dit par chez nous! Oh, c'est quoi ça? Dégâts augmentés, hein. Allez-y, augmente mes dégâts. Tant de gratuit dans un coffre. Ah oui, j'en ai un gratuit dans un coffre. Oh putain, mais merci, Rade Violette. Ah, mais Rade Violette, une génie. Incroyable du cul. Et là, il fallait une clé, bien sûr. En plus, je suis passé devant. Non, je suis solide. Ah bah, t'es solide, tu te pètes l'épaule, t'as plein de bleu, t'es solide, quoi. Ok, allons battre le boss, allons se faire défoncer le fion par le boss. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ça? Pourquoi il est en feu? Mais pourquoi il est en feu? Mais le jeu il a bugué! Mais c'est quoi? Non mais il y a eu un bug, mais c'est quoi ça? Mais oh! Non mais vas-y, mais non, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais c'est quoi le jeu? Il était en feu le boss! On voyait rien! C'est une grosse boule jaune! Ça m'a perturbé, j'ai fait n'importe quoi! Et en plus j'avais déjà une...
Une épée complètement... Enfin, une épée. Une épée, ouais. Une arme complètement pétée. Non mais vous avez vu ? Voilà, mais c'était sûr en fait ! C'était sûr ! Il y a beaucoup de bugs, dites donc. Mais oui, il y a des bugs. Mais non, mais là, c'était pas un bug. Ah oui, non, mais il y a eu un bug, là. Le jeu est mal codé. Non mais c'était quoi? C'était quoi ce délire? J'ai affronté le boss 15 fois. 15 fois, c'était normal. Et là, d'un coup, il est en mode enflammé Super Saiyan, quoi. Quoi ce délire? C'est quoi ça? C'est un bazooka, un lance-grenade? Alors ça, c'est le Colt. Il est fort le Colt, mais il faut recharger chaque balle en rythme et tout, c'est un peu chiant. Mais il est fort. Je vais peut-être le prendre, tiens. Allez, je le prends, nique sa mère. Voilà. En plus, il est stylé. Sous-sous dans la papoche. Chance augmentée. Capacité augmentée. Clean. 4 balles. Le jeu est mal codé, c'est tout. C'est de la merde. Mais non, il y a forcément une raison. Il est pas, il a pas eu une boule de feu autour de lui comme ça sans raison. Il y a forcément une raison que j'ai pas compris encore. Précision augmentée. En fait, je veux peut-être trop bourriner. Peut-être que je veux trop bourriner. Et moi, je bourrine tout le temps, moi, dans les jeux. Il faut que je me calme. Bon, là, c'est... C'est quoi, ça? Ah non, mais c'est la banque de ses morts. Non, mais cassez-vous, vous puez la merde, vous. Moi, ce que je veux, c'est tuer le boss au moins une fois dans ma vie. Bien. Il m'a sorti un bien. Je propose la destruction de ce jeu à l'achat immédiat d'X-Plane. Je suis d'accord avec toi. Je fous ma gueule. Tu veux que je joue à X-Plane, Rat Violette? Ah mais vous savez, il y a une plateforme de Twitch, de streaming, qui s'appelle Twitch.tv, et il y a plein de streamers. Donc si vous n'êtes pas content, en fait vous pouvez aller voir d'autres streamers, hein, pas de soucis. Hein. Si vous n'êtes pas content du jeu, cassez-vous hein. Moi je joue aux jeux qui me font plaisir, hein. Je joue pas pour vous. Hein. Voilà, le message est passé. Merci bien. Bon du coup j'ai 7 balles. Je fais quoi avec mes 7 balles de merde? Eh j'ai une clé. Je vais aller prendre l'objet. Attends, c'était quoi ça? C'est quoi? Dégâts augmentés. Vas-y, let's go. Ah non mais il y a une curse room de ses morts encore. Non mais c'est bon, je vais prendre juste le truc là. Oh, passe-partout. Le passe-partout à la fin de l'étage quand j'ai tout fini. Vas-y, on va se faire cursed, on va ouvrir ça. C'est quoi ça? Casque de précision multiplicateur de critique.
Ouais. Oui, on se casse. Bah, tu veux que je t'aide à te barrer ? Hop là ! Hop, je t'ai aidé à te barrer. Tu peux te barrer, vas-y. Bon, je vais me healer, hein. Pour le détruire. Non, pour le détruire. Détruire de quoi? On va voir qui. Pas compris. Ban par jour. Ah bah oui. Mais si le mec il est pas content, et bah il se barre et puis c'est tout quoi. C'est tout hein. Oh. Bientôt je vais couper le micro, je vais couper la cam. Je vais jouer dans mon coin. Ah oui, j'ai un passe-partout. Mais attends, let's go. Oh, c'est quoi ça? Précision plantée. J'avais oublié que j'avais un passe-partout et que je pouvais ouvrir tout. C'est trop bien. Ah non, mais il y a pas de librairie. La librairie, c'est dans mon cul. Bah go boss hein. Go boss et go se faire péter le fion. Faudra une commande ban avec un nombre de points pour l'activer. Et ça le ban genre une minute. Mais non. Mais non, c'est vous entretuer de faire ça. Attends, mais moi je suis pour la paix et l'amour. Hein. Moi je veux pas que vous vous entretuiez. Hein. Oh. Voilà. Moi, je veux juste que vous tuez lui. À la fin, il y avait un solo de fin. Mais vu que j'avais pas assez de balles, ça a coupé le solo. Énorme, incroyable du cul. Mais trop bien, bah voilà. Non mais il est easy le jeu. En fait, il est facile. Voilà. En fait, quand tu comprends comment tuer le boss, le jeu est facile. Vous avez vu. Merci pour les GG. Ouh, vitesse augmentée, c'est extraordinaire, c'est de la merde. C'est quoi ça? Victime 34, série de notes 57. Niveau 2! Pour la première fois de l'histoire du streaming, on est au niveau 2 avec une nouvelle musique! Une nouvelle musique de métal, incroyable! Montre-moi un peu ce que vous avez dans le froc, ma mignonne. Espèce de petite pute dégarnie. Ils sont combien, là?
Ah oui, c'était pas mal là. Je commence à avoir plein d'eau de votre comportement de péteux. Ça va faire plaisir de balancer une bonne insulte et de vous foutre en rogne une bonne fois pour toutes. En yarn, fils d'unijambiste. Fils d'unijambiste. Mais c'est horrible. Bah quoi? Vous avez dit que ça devait être blessant. Bah oui, mais j'ai pas dit que ça devait être vrai. Mais vous avez dit que ça devait être blessant. Ah, incroyable. Parfait. J'ai failli me faire bolosser, mais il me dit parfait. J'accepte. Hein. Ok, une bibliothèque. J'ai passe-partout, donc je suis passe-partout. The first way, yeah. C'est quoi ça? Inflige des dégâts à tous les ennemis? Allô? Attends. Ah mais c'est trop stylé! What the fuck? Attendez, faut que je teste. Ouais, enfin, c'est des petits dégâts quoi. Non mais encore un sacrifice pour de la thune. Ouais non mais ça va quoi. Ah mais là je suis complètement pété là. Bon le problème c'est que je vais voir le boss numéro 2. Et le boss numéro 2 va probablement m'exploser le fion. Voilà. C'est quoi ça? Vol de santé en infligeant des dégâts? Ah oui, mais ça va remplacer mon bandeau de ses morts! Multiplicateur de critique. Ah ouais, non, mais attends, mais le vol de santé, c'est quoi? T'en pété? Et voilà, mais... En fait, on peut porter qu'un casque, un bouclier, un gant... En bas à gauche, on le voit, hein. Et des bottes. Je guide les casse-cou dans les traquenards. Incroyable. Attends, mais en fait, ce qui est en haut à droite, là, ce que vous voyez en 4 fois, c'est quoi? C'est mes dégâts ou c'est juste pour le score? Parce que si c'est juste pour le score, on en a rien à foutre. Hein. C'est quoi ça? Précision augmentée. Non! J'ai pas vu ça. Mais en fait, il faut trop faire attention au truc qu'il y a dans le... Qu'il y a dans les niveaux, là, contre les murs, hein. Bon, à part ça, parce que c'est de la merde. Défi débloqué. J'ai débloqué un défi. J'ai bloqué un défi, les amis. What the fuck, les amis? F. Porter deux armes? Hein? Porter deux armes, c'est trop bien! Attends, c'est quoi ça? Ah oui. Ah oui, c'est un truc au pif, genre. Ah non, mais c'est bloqué.
Attends, mais il me faut une autre arme, là. Hein. Je veux quoi, la bibliothèque? La bibliothèque, il y avait un truc de merde. Attends, mais il me faut une autre arme, là. C'est officiel, hein. J'aurais préféré une arme. Où est la salle d'item? L'item room. Où est l'item room? Mon truc qui fait des dégâts à toute la salle, c'est complètement pété. Vitesse augmentée. F. Une arme, s'il vous plaît, une arme. Hein ? Une arme, s'il vous plaît, une arme. Ah, mais non. Multiplicateur de vitesse. Ah non, mais c'est nul. Non, je préfère mon truc là, mon truc complètement pété qui joue où je récupère de la vie quand je fais des dégâts quoi. Ah mais dommage, putain, j'ai un truc pour porter deux armes et je peux pas. Ça rage. Pourquoi ça rage? Ça veut dire quoi ça? Ça rage. Tu regardes le stream ou tu regardes pas le stream? Attention hein. Commence pas à faire le malin, hein. Hein, ça rage. Putain. Et du coup, y a pas de forgeron. Je pourrais faire la salle de challenge, mais franchement, la salle de challenge... En vrai... À part me faire péter le fion... De toute façon, au pire, j'ai des sous. Enfin, je vais faire un salle de challenge. Au pire, j'ai des sous. Et je pourrais. Et voilà. Et je pourrais acheter de la vie. Enculé! Oh putain de oh putain! Nom de Dieu des bouses! Vas-y, je vais faire deuxième challenge, j'en ai rien à foutre! Non, deuxième est trop dur. Non, deuxième, laisse tomber. Deuxième est trop dur. Il va y avoir un million de mouches de partout. Je vais me faire bolosséd. C'est ici qu'on crée la moitié du sel français. Et il est bon, hein. Putain, mais en plus, t'es pas marrant. Et en plus, t'es con, quoi. Arrête d'être con, s'il te plaît. Je sais pas. Connecte tes neurones un peu. Bon bah go boss hein. Je sens que ça va être une catastrophe. J'ai peur hein. La France a peur hein. Y'a pas des trucs contre les murs là qui augmentent les capacités, genre dégâts x8. Passons par le haut.
Hugo Boss. Ymir. Non, mais casse-toi. Je me suis fait balancer le fion. Quoi? Il m'a one shot, j'avais 50 PV. Mais non, mais non. Non mais en fait, je crois que je commence... En fait, son pattern est facile. En fait, il te marque avec un laser. Je le trouve hyper drôle. Je sais le français. Mais c'est pas drôle, c'est hyper connu. C'est un mème hyper connu, Radiolette. Ça fait genre 5 ans que le mème il est hyper connu. C'est ici qu'on trouve la moitié du sel français. N'est-ce pas, Jamy? Et les gens ils mettent ça sur les streams pour faire croire qu'ils sont marrants. Alors qu'en fait, ça fait déjà environ 10 millions de personnes qui ont déjà fait la même blague. Qu'est-ce que c'est que cette matière? Donc, non. C'est de la merde? On l'a fait à tout le monde, on l'a fait à Sardoche, tout le monde l'a reçu. Bon. Alors, maintenant... Ah non, mais attends, non, je vais pas recommencer, moi. J'ai débloqué un défi. Mais quoi? Mais j'ai quitté le jeu. Attendez. Tout va bien se passer. T'es au quittière. Mais... Jouer. Mort de rire, c'est tellement toujours aussi... Tu veux un ban, Rat Violette, aussi? Tu veux que je te banne? Hein? Je vous banne tous, hein. Je coupe le stream, je joue dans mon coin, hein. Cassez-vous, hein. Petite pause. Retube. Alors, on va faire le défi, là. Le défi de partie rétro. On va tester qu'est-ce que c'est que ça. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, je suis en mode Doom. Oh, je suis en mode Doom. Je vois rien. Vous voyez quelque chose? Dites-moi si vous voyez quelque chose, hein. Connasse de mouche. Où est le dernier? Ok, j'ai perdu un point de vie. J'ai pas de clé donc. Par contre, on va tellement vite. Au secours. Ah ouais, non mais c'est vraiment un défi. C'est vraiment un défi, défi genre, défi. On voit même pas ce que c'est. Sac de pièces. Ah non, mais c'est pour me sacrifier ça. Ah non, mais je veux pas. Ah ouais, non mais il y a un coffre. Deux pièces, ah bah super. Au secours! Mais non, mais il m'a snipé! Je vais mourir. Mais range ton truc!
Non mais c'est trop chaud hein. En fait il faut que j'apprenne les patterns des ennemis. Eux en fait ils foncent sur moi. Ok. Heal. Chance augmentée. Ah oui, mais genre, je suis vitesse à donf là. Ah ouais. Ah ouais, la vitesse elle est à donf. On y voit comme à travers une pelle. On y voit comme à travers une pelle. Est-ce que je stocke des trucs là-dedans en vrai? Ouais. Mais est-ce que ça marche en mode rétro? Ah non mais c'est là. Non parce que là je pense que je vais pas... Vas-y, je vais tout stocker. Je vais tout stocker à la banque. Y voit-on comme à travers quel objet? Non! C'est marqué quoi, Ambre... Quoi? J'ai pas le temps de lire. Embarqué... J'ai pas le temps de lire. Je lis. Le truc, il apparaît une demi-seconde. Ok. Et c'est quoi l'autre truc? Défi. Super temps. Le rocket jump peut être très utile. Ah, mais on peut faire un rocket jump? Un rocket jump? Quoi? Ah ouais, c'est vraiment Crypt of the Necrodancer. C'est-à-dire, j'avance... J'avance que pendant le rythme de la musique. Enfin, pendant le... C'est vraiment Crypt of the Necrodancer, là. Alors ça, c'est déjà plus jouable que l'autre truc. Y'a pas un truc contre le mur, voilà, ça. Hein. Vitesse augmentée. Ouais mais vitesse ça sert à rien avec mon truc, non? Bibliothèque, j'ai pas de... Salle de challenge. Au secours. Je sens la catastrophe arriver, vous êtes prêts? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais cassez-vous! Non, pas toi, pas toi. Non, 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 je suis retourné dans la boule magique. Bon, ok, je me suis bien débrouillé, ouais, je suis à 30 PV, mais ça va. Chance augmentée. Bon, on va pas faire la partie numéro 2. Hein. Au secours! C'est bon. Une pièce. Génial. C'est quoi ça? C'est sacrifice pour des pièces? Non. Ah, pourquoi il y avait un escalier là-bas? Et attends, il y avait un escalier? C'est qui? Vous êtes qui? Bonjour. T'es qui toi? C'est qui ce bonhomme là?
Un mini-boss, un mini-boss. Oh, un parfait j'ai eu, incroyable. Je suis un génie. J'ai eu quoi? Je pense que j'ai eu. J'ai eu quoi? Des pièces? Et des pièces. Pourquoi il y a un escalier là-bas? C'est quoi cet escalier? Ah non, mais je veux voir ce que c'est, moi. Donne-moi des clefs! Celle. Alors, je vais tester un truc. Attendez. Je teste, hein. Je connais pas toutes les commandes en fait du truc. Ah ouais, ah non, ah oui. Ah oui d'accord, en fait non, je banne et je mets le motif. 6000. Ah je voulais le ban 6000 secondes. Bah en fait j'étais ban à vie. J'étais ban à vie. Désolé hein. Ça va ? J'étais ban à vie, Azret. Bon, je te débannerai. Je te débannerai quand. Voilà. Quand tu feras des excuses. Quand tu feras des excuses à ton maître. Vitesse augmentée. Je sais pas si c'est vraiment très utile avec ce mode-là. Mais non, mais putain, j'ai 5 PV, au secours! Bon, on va aller sur Nomad Survival là. Et on fera des parties de. On refera des parties de ce jeu. Parce qu'il est plutôt cool. Franchement, il est plutôt cool. J'aime bien la DA. Très dur, mais assez sympa. En plus, j'aime bien la musique. Et la DA, elle est très stylée. Des bisous YouTube. À la prochaine.